Il n'y a pas de fou qui ne t'arrive à la cheville de ta folie, me dit le vieux sage des sages. Tu parles, parles, mais ne sais-tu pas qu'on ne parle pas la bouche pleine de mots? La parole te mènera par le bout de ta langue et te fera perdre la vie. Et cela est aussi clair que la nuit n'est pas le jour et que le jour n'est pas la nuit. Allons, vieux sage des sages, il faut que tu saches que le maboule du 21e siècle ne doit jamais couper le fil d'or de la parole qui le relie à l'oreille du monde. Laisse donc passer la caravane du bavard. Si, ô sage, tu ne puis me dire qu'est-ce qui est le plus utile des deux, la parole ou bien le silence. Ici, le sage se mit à réfléchir, et après un long, long moment, il répondit: et s'en alla, sans se découvrir d'un mot. Vous avez entendu ce que je n'ai pas entendu? Est-ce là, sage, ton dernier mot? Et tu l'as très bien entendu qu'il me répond: qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Puis, le sage, voyant le soleil se coucher et la lune apparaître, dit: ô maboule des maboules, toi qui sais tout, sais tout, sais tout, sais tout, peux-tu, à ton tour, nous dire qu'est-ce qui est le plus utile, le soleil ou bien la lune? La lune, répondit le maboule, car elle nous éclaire la nuit, alors que le soleil ne nous éclaire que lorsqu'il fait déjà jour. Mais qui a volé le jour? Qui a volé la nuit? Qui a volé le soleil? Bim babou! Alors si certains volent de leurs propres ailes, lui, Bim babou, vole de ses propres mains. Oui, Bim babou était le plus grand voleur de tous les temps et certes le plus habile. Son nom même, dit-on, il l'aurait. Ah, s'il était là pendant que je vous parle, il vous aurait dérobé vos deux oreilles, que vous n'entendriez ni robinet, ni robinet qui goûte. Demandez donc l'heure à Bim babou, il vous la donnera avec précision. 1h45 et... Il connaît Bim babou à les poches vides. Oh, faut savoir que Bim babou volait surtout les riches pour donner aux pauvres. Et quand les pauvres devenaient trop riches, il les volait à leur tour. L'argent pour Bim babou n'avait de valeur que s'il était donné. C'est pourquoi il donnait sans compter, ou du moins il ne comptait que sur ce qu'il donnait. Oh, une fois, il avait chapardé une grand-mère, encore en bon état. De l'autre main, il avait subtilisé l'œil d'un passant par là. Celui-ci n'avait vu que du feu. Il le jeta à un pauvre malheureux qui avait du mal à dépasser les borgnes. Bim babou! Bim babou! À la volée, un jour, saisit la parole à un bavard. Il la donna à un muet qui l'a prise aussitôt et se mit à parler avec comme si de rien n'était. Mais le muet étant devenu à son tour encore plus bavard que le bavard, il la redonna à son propriétaire qui lui resta bouche bée. Bim babou n'avait jamais vu le ciel de sa vie comme d'autres n'avaient jamais vu la mer ou leur père. Et quand il leva les yeux pour la première fois, celui-ci lui lança un défi.
Est-ce bien toi, Bimbabou, le plus habile de tous les voleurs? Si c'est bien toi, peux-tu me délester de tout ce que je possède? Mes constellations, mes étoiles, mes rubis, ma lumière, mon éternité? Bimbabou le peut, dit Bimbabou, qui s'apprêta aussitôt à voler les cieux. Comment? Il grimpa d'abord sur un petit tabouret de bois. Là, il se mit à tendre ses mains, ses bras, se mettant même sur la pointe de ses pieds. Mais il constata vite qu'il n'y pouvait pas. Il pensait que soit que son butin fût trop éloigné ou ses bras trop courts. Alors, il spécula longuement à la manière d'attraper son magot céleste. Hélas, il n'attrapa qu'un lourd sommeil de plomb. Bimbabou dormait. Au matin, sitôt réveillé, il leva les yeux au ciel. Celui-ci était nu comme un désert dépouillé. Quoi ? Bimbabou, voleur volé ? Il y avait donc plus habile que lui. Mais voilà qu'il se dit, il reste encore cette grosse pièce d'or. Cette grosse pièce d'or n'était autre que le soleil. Il reviendra bien la prendre et cette fois, c'est lui qui sera pris. Alors Bimbabou se mit à attendre son voleur d'étoiles, fixant de toutes ses prunelles sa grosse pièce d'or, quand d'un coup elle fut tirée à l'horizon, disparaissant complètement. En fait, le soleil allait se coucher, mais lui croyait que c'était la main invisible du voleur. Puis il vit les étoiles reprendre une à une leur place dans le ciel avec la pleine lune. À ce moment-là, Bimbabou voulut s'étonner, mais il ne s'étonna pas pour la bonne raison qu'il n'avait pas d'étonnement sous la main. Alors il alla le chercher bien au fond de son capuchon. Là, il tira un énorme étonnement, genre « Waouh !» Avec, il s'étonna si fort qu'il tomba à la renverse, tête en bas, pied en l'air. Le voici dans le pays du ciel. Il rangea son étonnement et mit son émerveillement. Avec émerveillement, il marchait sur les étoiles, les ramassa une à une, alla décrocher même la lune, mit le tout dans son capuchon, puis il alla chercher le soleil à l'horizon, le mit dans sa poche. Ensuite, il rangea son émerveillement et prit son emballement. Et tête en bas, pied en l'air, le revoici sur terre. « Hello !» dit Bimbabou à son voleur invisible. « Tout peut se voler !»« Hello ! Quand on vole bien, on vole tout, on ne laisse rien !» Ainsi, Bimbabou était le plus grand voleur de tous les temps et certes, le plus habile. Il voulut reprendre sa route, mais la nuit était noire. Noire. Si noire qu'on ne voyait que cela. À cet instant, Bimbabou comprit, comme vous venez de le comprendre, que s'il voulait retrouver son chemin, il fallait rendre la lumière au monde. Alors il prit dans son capuchon les étoiles, la lune, en croqua juste un morceau, prit le soleil encore tout chaud dans sa poche et lança au ciel tout son trésor. Et le chemin de Bimbabou fut éclairé jusqu'au bout de sa vie. Ouais! Tout peut se voler, dit Bimbabou, sauf la lumière du monde.
Barnabul a eu le plaisir de vous conter ces histoires, car quand on aime, on compte ou on compte pas? Alors je reviendrai quand je pourrai compter sur vous.